Yo les trashers, on se retrouve, t'entends la musique, devant l'hôtel de la lune, on va réveiller Lunala. C'est un gros moment, j'espère qu'on va le capturer, on va découvrir les nouvelles ultra chimères, les mondes aussi de Necrozma. Ça s'annonce très excitant cet épisode. C'est parti. Oh, l'hôtel de la lune. C'est parti. Le rituel peut commencer. Le sacrifice d'une jeune fille vierge est demandé. Ikuzo. C'est beau. Oh là 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 là. N'empêche, si j'étais un local, j'ouvrirais une agence en fait où j'aurais tout le temps de la flûte pour faire venir les touristes. Parce que c'est tellement beau que ça ferait une superbe attraction. Mais personne n'y pense, ils sont pas assez capitalistes dans le coin. Doudou! Non! Le sac, il est foutu, bravo, c'est 500 balles. Wow. Lunala. Tu es beau. Maintenant, je peux enfin retrouver mère. What? Pourquoi, Guzma? What? Oh! Ah bah, en fait, y a pas besoin de demander, tout vient à un point qui sait attendre. Masaka! Necrozma! Que faites-vous? Fuyez! Cette chose est un monstre! Necrozma! Saka! Sasuke! Attends, c'est qui? C'est un gentil ou c'est un méchant? Je crois pas qu'il est gentil là. Oh. Mais qu'est-ce qui va pas là? Une nouvelle ultra chimère! Je n'ai jamais vu ça ici! Tilly, mon petit-fils, je compte sur toi! Toko Riko. Toko Riko, tu l'as pour sauver ton île, ou est-ce l'odeur du combat qui t'attire? Les autres îles seraient-elles aussi menacées que la sorte? Courage, vous autres! Ouh là 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 là, elle rigole tellement pas. Oh là 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 là. Bonne chance à toi. Lunala. Necrozma apparaît. Pollock. En avant. Bon, j'espère que je vais arriver à le tuer parce que... Ah non, il faut pas le tuer, il faut le capturer. Je peux pas capturer le Pokémon. Master Ball, go! Non! Tout ce que je fais là n'a servi à rien du tout. Super tourbillon invisible!
Décroise-moi, je vais te suivre et je vais te tuer. Ah, ou pas. Les ténèbres ont commencé à envahir. Ah, oh là là. Necrozma, le maître de la lumière, il s'empare de tout celle d'Alola. Son seul désir est de retrouver toute la lumière qu'il a perdue. Vous pouvez passer d'un monde à l'autre grâce au Pokémon légendaire. Prêtez-le nous. Oui, mais bien sûr, madame la présidente, on va faire tout pour vous, absolument. Laissez-moi quelques instants que je m'incline ma moustache pour baiser vos petits pieds. Comprenez-moi tant d'altruisme et de philanthropie dans une seule personne, c'est trop. Vous voulez que je vous dise ce que vous pouvez en faire de vos demandes? Oh, ça parle mal! Tellement mal! Je vous prie, Captain, un peu de retenue. Ah, je le veux dans mon équipe. Même si ça servira à rien, puisque j'ai déjà un type acier et un type feu, mais... Je préférerais avoir Lunala, franchement. Oh! Oh, cette classe! Oh là là, le mini-jeu à la Sonic, comme sur Mega Drive. Bonjour, habitant d'Alola. Comment tu sais que je viens d'Alola? Je viens de milliers d'années-lumière, là. Necrozma s'est réfugié en haut de la tour après avoir absorbé la puissance de Lunala. Tous les habitants se sont réfugiés à l'intérieur des bâtiments. Ils ont peur qu'ils ne déchaînent à nouveau comme lors de la venue d'Elzamina. Necrozma a retrouvé sa puissance d'origine. Maintenant qu'il a absorbé de la lumière, il est malheureusement incapable de contrôler toute cette énergie car lui manque une partie de son corps. Cela le plonge dans un état de souffrance inimaginable. Jadis, nous avons utilisé notre technologie pour dompter Necrozma et produire de la lumière. Mais nous sommes malheureusement retrouvés condamnés à vivre dans l'obscurité. Personne ne souhaitait cela, ni nous, ni Necrozma. Il se trouve maintenant tout en haut de la tour Mégalopole. Je t'en prie, arrête-le, si tu ne le fais pas pour nous, fais-le pour Alola. Ce n'est qu'ainsi que la lumière pourra revenir dans nos deux mondes. Putain, la Mégalopole, c'est magnifique. C'est genre un monde 3D avec des barbelés partout. Wow, c'est trop beau. C'est magnifique. Magnifique. Hé, hey, l'Alo Alien, Necrozma te fait pas peur? Malheureusement, nous sommes impuissants face à lui. Notre technologie, aussi singulière soit-elle, ne nous permet pas de maîtriser et nous sommes trop faibles pour le vaincre. Et dire qu'autrefois, Necrozma a besoin de notre monde de lumière, ses bienfaits s'étendaient même jusqu'à l'ultra-dimension. Tour Mégalopole. Necrozma... Je sais que tu es bientôt là. Je sais qu'on va se combattre. Je sais que je vais te capturer. Tu le sais, je le sais. Alors il est temps de montrer ta puissance. Oh, Necrozma! Cette puissance! Oh! Necrozma a l'air de vouloir se battre. Il vous observe. Ok. C'est le moment de se combattre. J'ai peur. Ok, il est beau. Necrozma apparaît. Oh mon dieu. Ça risque d'être très compliqué. Bon, je vais tenter la Master Ball, tant pis. J'ai peur, j'ai trop peur. Allez. Ah. Ah, ça marche pas. Ok, bah tant mieux que je le sache maintenant. Photo Geyser. Mais il tape tellement fort. Mon dieu. Eh mais calme-toi, hein. Oh. Tu vas te calmer. Allez, la petite cage éclair, ça va bien te calmer, toi.
quand c'est pas efficace. Bon, il m'a laminé tous mes Pokémon, alors que j'ai pourtant le niveau, hein, mais apparemment, ils ont voulu faire le jeu beaucoup plus dur. Voilà, merci. C'est très chiant, c'est inutile. Si c'est des one-hit, c'est pas marrant. Bon, les gars, j'ai un nouveau plan. J'envoie Messiaen Bull, je le paralyse, et j'envoie le Dark Laria Force Z, qui va bien lui faire mal s'il est vraiment de type Psy-Spectre. Je sais pas, je vais le regarder sur Internet, mais j'ai pas d'infos. Allez, Messiaen Bull, je compte sur toi. KG Claire, vas-y. Tu le tankes, tu le tankes. Tu le tankes moyen. La cage éclair est passée. Kata. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'était ma seule chance. Allez. Lominon. Oh, il me speed. Comment c'est possible? Bon. Il faut que tu le tankes. En perse. Il faut que tu putain de tankes cette attaque. Et que tu balances le Dark Laria. Et faut que ça fasse one hit KO. Oh non, putain. Ça passe pas. Ça passe pas, putain. Même paralysé, quoi. C'est abusé. Ce n'est même pas drôle. Si c'est des. Si ça tue en un coup, il y a zéro stratégie. C'est juste de la chance, quoi. Bon, faut qu'on parle Necrozma. Là, je me suis bien entraîné, mais je ne supporterai pas un autre affront, parce que là, je ne peux plus rien faire, je suis épuisé. Il faut que tu meurs. Il faut que je te tue, parce que là, je ne peux pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'une heure d'entraînement, c'est bon, c'est... Voilà, si je ne peux pas te battre maintenant, aucun joueur ne le peut. Ou alors, ma théorie, c'est qu'en fait, dans les Ultra Hall, tu peux aller capturer des légendaires, en fait, il faut que tu aies des légendaires pour le battre. Après, je reste confiant. Hein. Je veux dire, ça reste qu'un Pokémon à peu près normal. Moi, j'ai 6 Pokémon. Lui, il en a qu'un. Il peut pas se soigner, rien du tout. Il peut juste balancer des grosses attaques. Est-ce que tu le tankes mieux? Tu tankes pas mieux les attaques? Ah, c'est coup critique. Ok. Bon, t'es pardonné. Ça va se jouer tout pour le tout, mais t'en perces. Vas-y. Lui, il a été entraîné à la dure. Pour que je puisse balancer un Dark Laria des familles. Si tu réassis ta force Z, on a gagné. Donc, tu tankes cette attaque. Oh, je l'ai. Pampers, déploie ta force Z. Je crois en toi. Dark Body Press. Tue-le! Yes! Oh. Eh ben, dis donc. Oh, les gouttes de sueur. Hein. Non, parce que ce que vous voyez pas à la caméra, c'est que j'ai recommencé beaucoup de fois. Necrozma, non! Cool. C'est du sang de lumière. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Ah. Tu as réussi à apaiser Necrozma. Grâce à toi, elle a su revenir à celui qu'on nommait Ultra Necrozma. Mais, comble de malchance, la lumière qu'il avait retrouvée a de nouveau été perdue. Il s'est enfui à Alola. Lunala semble également être rentré, tout épuisé qu'il était. En tout cas, merci d'avoir accepté de nous aider, être singulier d'Alola. Bah alors, Venimi, c'est quoi tout ce remue-ménage? Diroro, je crois que Venimi s'intéresse drôlement à cet habitant d'Alola. Ma foi, pourquoi pas. Vimini a l'air bien tenté par l'idée de te suivre. Ouais! Mais très bien! Je suis chaud! Un Pokémon de type poison, c'est toujours ça de prix. Je vais l'appeler mon ex. Attends, mais j'ai pas de légendaire pour la Ligue Pokémon? Oh non! Il faut quand même que je te réponde au devoir qui impondent au capitaine. Alors, t'es prêt pour mon épreuve?
Je viens de sortir d'un sauvage de monde, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un bruit. Un Pokémon dominant? What the fuck? Wow! Bombel! C'est quoi ce Pokémon dominant du type? Les gars, j'ai battu des boss, là. J'ai battu des dieux d'Ultra Chimère, d'Ultra Monde. Et vous m'envoyez un Rubombelle. Bref, on va pas faire durer. Je suis prêt pour la Ligue Pokémon sur le mont Okulani. Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est nouveau, ça. Oh, non, 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 non. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Necrozma, serais-tu le Pokémon que l'on me donne pour pouvoir vaincre les boss? Bon, les amis, il faut qu'on parle. Ça, c'est quelque chose, normalement, qui est honteux. Mettez un pouce bleu si vous n'êtes pas du tout d'accord à ce que je vais faire. Oui, je sais, ça m'arrange. Je vais utiliser la Master Ball. Alors, je sais que normalement, il faut donner au public du beau spectacle. Là, c'est du gâchis, parce que probablement que son taux de drop est plutôt correct, d'accord? Donc, je sais que c'est honteux ce que je fais. Mais, je suis pressé d'être au conseil des 4, d'accord? Moi, mon disque dur, il commence à avoir mal avec tous ces gigas de données. Donc, si je passe 2 heures à capturer un écrasement, ça va pas le faire. Donc, les amis, voici en direct le plus gros gâchis du monde. La Master Ball. Mais c'est pour le luxe, c'est pour pas vous ennuyer aussi, c'est pour que ce soit beau, qu'il y ait du spectacle, qu'il y ait de la beauté dans le geste. Je vais l'appeler Titouan, parce qu'il essaye de faire le fort alors que bon... Et nous voilà face au conseil des 4. Bon, Necrozma était juste devant, personne n'a rien vu. On va dire que c'est tant mieux pour moi, hein. Le conseil des 4, c'est le moment le plus attendu des dresseurs. Et je dois vous avouer avoir été un peu déçu. Pectorius a été remplacé par Molène, de type acier. Mais, bah, c'est tout. Alors, je l'ai vaincu. J'ai vaincu Alixia de type proche. J'ai vaincu Maggie de type spectre et Kali de type vol. Et c'était facile. Il ne me restait plus qu'à combattre l'ultime dresseur, le maître de la ligue. Bon, les amis, c'est l'heure. Le dernier membre du conseil des 4. Alors, moi, de ce qu'on m'a dit, je ne sais pas c'est qui, mais apparemment, c'est pas Euphorbe. Alors, si c'est Euphorbe, par contre, c'est honteux. Mais. Merde, il est même plus là, lui. Bon. On prie pour que ce soit un dresseur impressionnant, c'est parti. Tout le monde est prêt? Allez! Oh, c'est beau, c'est très très beau dans le coin. On monte sur les nuages. Je me souviens de cet endroit. C'est mon trône. Qui va m'arrêter? Oh non, 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 c'est pas vrai! Ils ont pas laissé Euphorbe. Non, 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 c'est pas vrai. Ah! Mais non, je rigole. Sérieux? C'est lui le maître? Oh, cette musique. Eh ben, Tilly, c'est l'heure. Oh, la musique, mon gars. Wow. Raichu. Raichu d'Alola. Ok, c'est pas bon pour moi. Ouais. Bon, allez, je balance le tranche nul et il m'a gavé, lui. Allez, c'est bon. Trop de givre. Allez, one hit KO, c'est bon. J'ai l'avantage. Boot of feu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. One hit KO. Oh là là, l'hydrocanon qui va faire très mal. Effectivement. Le coup de jus, allez. Oh non, non, il le place pas. Oh mon dieu. C'est bon, la croix est KO. Et 2-1, comme on dit dans le métier. Oh non, non, non. Erreur. Oh, il le tank. Bravo. Je suis dans le caca.
Non, le séisme. Oh non. 4 faiblesses. Oh là, il l'a tendu. Il l'a eu. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Necrozma, je compte sur toi. T'es notre seul espoir là. T'es le seul qui puisse faire un peu de mal à Arkeduc. Maintenant, il reste deux Pokémon vivants. Donc ça va jouer. S'il fait une attaque Z, par contre, je suis très mal. Oh. Necrozma qui a fait le taf. Que je ne voulais pas utiliser pendant ce combat. Je pense que c'est faisable. Hein. C'est faisable sans légendaire. On continuera toujours à avancer et à se donner à fond. Yeah! Ah, on a quand même une scène que... Ah bah la Team Skull a été dissoute. Ça c'est une nouvelle scène par contre, tu vois. Je suis mauvaise langue. Mais c'est bien Pokémon, sa voix, vous ne dites pas de texte. Ah c'est génial. Vous ne mettez pas de texte, vous laissez juste des images nous faire comprendre que là, bah la Team Skull c'est fini. Voilà. Tout le monde comprend. Oh là là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait dans le générique? Ah, je crois qu'il m'attend. Adieu! Du coup, on pourra plus jamais l'affronter, dommage. C'était son pote, là, le gars, le top dresser? C'est bon, tu peux répondre. Sa maman qui arrive. Avec grande classe. Elzamina qui a été gentille dans le jeu. Bon les amis, du coup c'est sur cette scène qu'on va se laisser. J'ai été vraiment ravi de faire ce let's play avec vous, c'était une belle aventure. Je me suis aussi pas mal entraîné à faire ces let's play montés. Je voulais pas faire exactement comme Squeezie en mettant vraiment que les mots meilleurs moments où je rigole comme un... Parce que c'est pas très rigolo Pokémon. Du coup je voulais laisser plutôt un truc où c'est côté mais narratif. Tu vois, je vais l'appeler le 4 narratif. Donc on comprend l'histoire, ça saute vraiment les trucs qui sont pas intéressants. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve peut-être pour un prochain let's play dans 2 ans, hein, faut le savoir. Ou s'il y a un let's play d'un jeu un peu à Chrome aussi, on pourra se retrouver. En tout cas, vous pourrez retrouver Fildrong et son let's play sur Pokémon Sun YouTube, c'est-à-dire version YouTube où il y a des petites blagues sur les YouTubers, etc. Donc ça, c'est assez sympa, hein. ça vous a bien plu d'ailleurs. Et peut-être sur d'autres acromes, on verra. Mais en tout cas, on aime bien faire les let's play, on aime bien les monter, on aime bien faire un truc propre qui vous amuse avec un bon petit fil rouge. Donc voilà les amis, on se retrouve pour la prochaine fois, pour toutes les astuces qui arrivent aussi. Là, il va en avoir beaucoup, hein. Si tu veux finir le jeu à 100%, on est là. Hein. Allez, j'arrête avec les balivernes. Pouce bleu, commentaire, cloche, amour, 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 amour. Tu fais sur tous tes doigts l'amour. Non, c'est bizarre ma phrase. Bon. C'est-à-dire que c'est l'heure d'arrêter. Allez les amis, ciao !